de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, bénissons le Seigneur pour cette eau qui a été bénie dans cette nuit très sainte où nous avons été régénérés. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créé pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Miserere mobis.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Thank you.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Victime pascali laudes, immolem Christiani, Agnus redemptor fes, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores. Os et vita tuo, conflicere mirando, dux vite mortuus, peccat vivus. Hic nobis famina, c'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut,
Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, de quoi parlons-nous aujourd'hui et que célébrons-nous aujourd'hui? Nous célébrons l'événement par excellence, celui qui a bouleversé toute l'histoire de l'humanité. Nous célébrons cet événement qui a illuminé toute la création, toute cette création qui avait été plongée dans les ténèbres par le péché et par le malheur qui s'était abattu sur l'humanité. Nous célébrons l'événement le plus historique, au sens où nous disons qu'un événement est historique parce qu'il a marqué l'histoire. S'il y a bien un événement qui a marqué l'histoire et qui est historique, c'est bien la résurrection du Christ. Aujourd'hui, quand on parle d'événement historique, nous nous demandons s'il a bien eu lieu. Et le premier sens d'événement historique, c'est un événement qui a marqué l'histoire, c'est-à-dire qui a renversé le cours de l'histoire. Par exemple, un certain virus, depuis quelques semaines, a bouleversé complètement le fonctionnement du monde entier, le fonctionnement de nos vies, le déroulement de nos vies. Donc cet événement, eh bien, sera marqué comme un événement historique. Alors il y a des événements historiques néfastes, et il y a des événements véritablement historiques, parce qu'ils ont réorienté toute l'histoire dans le sens de sa finalité. Donc si nous devions retenir un événement dans toute l'histoire de l'humanité, c'est la résurrection du Christ, puisque c'est cet événement qui a inversé toute la courbe qui allait vers le déclin, vers la mort inexorable. Cet événement, c'est celui qui a, de manière très discrète, dans l'obscurité d'un tombeau, fait jaillir un germe de vie. Cette nuit, la vigile pascale nous offre des signes merveilleux. Malheureusement pour nous, eh bien, vous n'avez pas pu les partager parce que la vidéo s'est arrêtée dès les premières minutes de la messe. J'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui pour la messe du jour. Mais lorsque l'Église était entièrement dans la pénombre, symbolisant le tombeau, symbolisant la nuit de ce monde, une toute petite lumière a été allumée sur le siège pascal, dont la forme rappelle la colonne de nuée qui accompagnait les Hébreux dans leur fuite d'Égypte dans la nuit de la première Pâque. Cette toute petite lumière vacillante est entrée dans l'Église, et normalement, parce que l'Église est remplie de fidèles habituellement, cette lumière se communique à chacun des fidèles, et peu à peu l'Église se remplit de lumière. Eh bien, il en va de ce qui s'est passé cette nuit dans l'Église, comme de ce qui s'est passé il y a 2000 ans dans la nuit du tombeau. Le monde entier était plongé dans les ténèbres. Dieu était venu sur terre et même Dieu était mort. Et pendant tout le samedi saint, en symbole de cette mort de Dieu, de ce déclin total de la vie, la lumière est venue et les ténèbres ont voulu l'étouffer. Eh bien, l'Église était dans la pénombre pendant tout le samedi saint. La porte de l'Église était scellée comme la porte du tombeau. Et tout avait été dépouillé dans l'église en signe de deuil. Il n'y avait même plus un bouquet de fleurs, même plus une nappe. Même le tabernacle était ouvert comme s'il avait été profané. Eh bien, la lumière a jailli du tombeau. Et cette lumière, c'est le Christ qui s'est levé. Donc cet événement, vous le comprenez, est historique au sens fort du terme. Mais cela dit, il est aussi historique au sens de l'histoire contemporaine. Et là, il faut insister sur ce point-là. Si Christ n'est pas réellement ressuscité, alors tout l'édifice de notre foi s'écroule. Et donc pour nous, il est essentiel de croire en l'événement de la résurrection du Christ, c'est-à-dire de croire qu'il y a 2000 ans, dans cette nuit de la Pâque juive, qui suivait la Pâque juive, pardon, eh bien un homme s'est levé du tombeau. Un homme a répondu à l'appel de Dieu, son Père, s'est levé du tombeau et sorti du tombeau d'une manière qui nous échappe, bien entendu.
Et cet événement, ce n'est pas une image. Cet événement, c'est un événement réel. Les apôtres ont pu toucher le corps du Christ ressuscité. Il a mangé avec eux au bord du lac de Tibériade. Et ce n'était pas un fantôme qui était devant eux. Ce n'était pas une image d'une victoire virtuelle ou spirituelle sur les forces de mort. C'était vraiment la vie dans un corps vivant, dans une âme vivante, dans un esprit vivant, l'esprit du Fils de Dieu, qui communiquait sa vie à son âme, à son corps, et qui communique la vie à tous ceux qu'il touche. Tous ceux qui touchent Jésus ressuscité, le Jésus historique, et ce Jésus qui se prolonge dans la vie de l'Église, dans les sacrements, ceux qui reçoivent l'eau du baptême, ceux qui communient au corps et au sang du Christ sacramentel, sont revivifiés, et nos corps ressusciteront dans la gloire à la fin des temps. Alors vous comprenez que tout cela, c'est une transfiguration de toute l'humanité qui dépend d'un événement, un événement mystérieux, et c'est là le paradoxe, c'est que de cet événement, nul n'a été témoin. Vous m'avez bien entendu. Nul n'a vu le Christ ressuscité ER. Nul n'a vu le moment où le Christ a surgi des enfers, le moment où la pierre du tombeau a été roulée, le moment où le Christ s'est relevé. Peut-être connaissez-vous ces très belles icônes, ces icônes que nous devons à la tradition orientale, où nous voyons Jésus, le Samedi Saint, descendre, l'âme de Jésus, descendre en enfer, aux enfers, pardon. Et il vient visiter toutes les âmes qui attendent la rédemption. Et il vient descendre dans toute la mémoire de l'humanité, jusqu'à nos premiers parents, et vous connaissez ces images, où nous voyons un vieillard et une vieille femme honteuse qui cache derrière les plis de son manteau, la main droite avec laquelle qu'elle a tendu pour saisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre qui a séparé l'humanité de Dieu, cet arbre qui a condamné l'humanité à se détourner de l'arbre de vie pour se laisser entraîner dans la mort. Le Christ descend aux enfers, saisit Ève, vous l'avez reconnu, saisit Adam, les prend par la main et les relève, et les remonte des enfers pour les faire venir avec lui à la vie. Eh bien, de cet événement, frères et sœurs, qui s'est passé dans la nuit du tombeau, nul n'a été témoin. Nul n'a été témoin que Dieu le Père. Alors nous parlons d'un événement sans témoin. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. Si nul n'a vu le Christ ressuscité ER, c'est-à-dire le moment de la résurrection, ils sont nombreux à avoir dit qu'ils ont vu le Christ ressuscité, eux, accent aigu. C'est-à-dire qu'ils ont rencontré l'homme Jésus, qu'ils ont eu peine à reconnaître dans un premier temps. Ils ont pu le toucher, n'est-ce pas Thomas ? Ils ont pu essayer de l'étreindre dans leurs bras, n'est-ce pas Marie-Madeleine ? Et ils ont pu observer avec leurs yeux des choses étonnantes, n'est-ce pas Jean, le disciple que Jésus aimait ? Donc cet événement, premier paradoxe, c'est l'événement central de toute notre foi, et pourtant nous n'avons pas de prise directe sur l'événement, mais juste sur des retombées, c'est-à-dire des témoignages, j'allais dire, secondaires. Après l'événement, certains ont vu le Christ ressuscité dans sa gloire, ou ont vu d'être glorifié pleinement. Et nous devons nous appuyer sur ce témoignage. Et c'est en cela que nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres parce que nous devons faire confiance à la parole d'un autre. Nous devons faire confiance au témoignage qui se transmet depuis 2000 ans à travers l'histoire de l'Église. Paradoxe, c'est que l'Évangile que nous avons aujourd'hui nous parle de la première manifestation du Christ ressuscité. Or, ça n'est pas une apparition. Vous l'avez vu, Marie-Madeleine découvre que le tombeau est vide. Son premier réflexe, c'est de penser qu'on a enlevé le corps du tombeau de façon malveillante. Alors elle se précipite pour chercher deux hommes. À l'époque, le témoignage d'une femme seule juridiquement ne vaut pas. Il faut le témoignage de deux hommes. Et elle va chercher Jean et Pierre. Jean était là au pied de la croix. Jean a déposé Jésus dans le tombeau.
Jean avec Marie-Madeleine, avec Nicodème, avec Joseph d'Arimathie, avec la Vierge Marie, a observé le positionnement de Jésus dans le tombeau. C'est lui qui l'a enveloppé de son grand suaire. C'est lui qui a attaché les bandelettes au niveau des pieds, au niveau de la tête et au niveau du ventre pour bien le déposer sur cette banquette en pierre qui était dans le tombeau qu'offrait Joseph d'Arimathie. Donc il peut venir observer ce que Marie-Madeleine dit. Et il y a Pierre qui n'était pas là, qui a brillé par son absence, vous le savez, mais Pierre qui reste le premier des apôtres. Alors les deux courent au tombeau, celui qui va plus vite c'est le plus jeune, c'est aussi celui qui est le plus vif toujours, le plus présent, et vous avez compris, il respecte l'autorité de son aîné, il le laisse passer en premier dans le tombeau. Pierre fait donc la même observation et tire la même conséquence que Marie-Madeleine. Puis vient l'autre disciple, celui que Jésus aimait, vous savez, celui qui était au pied de la croix avec Marie, celui qui, à la dernière scène, a recueilli les confidences de Jésus en se tendant vers son cœur, celui qu'on représente en général posé sur la poitrine de Jésus, celui qui nous fait pénétrer peut-être le plus intimement dans les événements, là où les autres restent souvent à la surface, là où Pierre voit d'abord la surface de l'événement et n'en pénètre pas la signification profonde. Eh bien, Jean baisse la tête, se met à quatre pattes, passe la tête par le trou qui permettait d'entrer dans le tombeau, et il tourne son regard vers la banquette sur laquelle était déposé le corps, et il voit que tout est en place. Il voit que le suaire est bien là, qu'il n'a pas été déplacé, mais qu'il est vide. Alors il fait cette observation. Il y a bien tout en place tel que nous l'avions mis, mais pourtant le corps a disparu. Cette seule vision lui permet de conclure la résurrection du Christ. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore vu le Christ ressuscité, et pourtant il y a déjà cette manifestation de la victoire de la mort sur la vie dans son cœur. Comment expliquer cela? D'abord, soyons très scientifiques. Il voit un linge qui est replié avec les bandelettes attachées. Si on avait enlevé le Seigneur de son tombeau, tout aurait disparu, ou alors tout aurait été déchiré. Or, tout est en place. Donc, si on l'avait enlevé, eh bien, rien ne serait resté intact. Donc, il y a un événement extraordinaire qui s'est passé. Cette observation scientifique, si j'ose dire, confrontée dans la mémoire de Jean aux annonces de la résurrection qu'avait fait Jésus, et à toutes les annonces dans la parole de Dieu, ces deux phénomènes, comme deux silex qui frottent l'un avec l'autre, font jaillir la lumière, font jaillir la première flamme, c'est-à-dire la foi. Nous devons toujours confronter ce qui nous est dit, ce qui est observé empiriquement, avec ce que l'Écriture dit. Et c'est cette confrontation qui fait jaillir la foi. Il vit et il crut. Empiriquement, il n'est pas possible que le corps ait disparu comme cela et qu'il ait été enlevé. Par ailleurs, il y a ces annonces. Eh bien, il les confronte, il vit et il crut. Il crut en se souvenant des Écritures, en se souvenant que Jésus avait annoncé cette résurrection. C'est la première explication. La deuxième, je dirais, elle est encore plus belle et plus profonde. Jean était là à la croix. Jean a recueilli le dernier souffle de Jésus. Jésus remit l'esprit. Ça n'est pas simplement qu'il a rendu l'âme, comme on dit. Ça n'est pas simplement que le souffle vital l'a quitté. Ça n'est pas simplement qu'il s'est échappé de lui. Jésus a remis l'esprit après avoir penché la tête. A pris soin de préciser Jean dans son évangile, dans la lecture de la Passion que nous avons entendue vendredi dernier. C'est-à-dire qu'il a incliné la tête pour remettre son esprit de vie, à ceux qui étaient là, à Marie et à Jean. Et Jean a recueilli cet esprit de vie en lui. Et quelques instants avant, eh bien Jésus avait indiqué à Marie le chemin de la foi à suivre et lui avait montré Jean en lui disant « Voici ton fils maintenant ». Celui que tu regardes sur la croix est passé en lui. Le voilà, ne regarde plus celui qui est mort sur la croix, mais regarde celui qui est vivant au pied de la croix.
vivant de l'Esprit que je lui ai remis. C'est-à-dire que la vie de Jésus à la croix est déjà passée dans son disciple. Jésus est déjà vivant. En mourant, sa vie passe de son corps à lui, au corps, à l'âme et à l'esprit du disciple qui est au pied de la croix. Et donc Jean est déjà habité par cette vie du Christ ressuscité, alors qu'il quitte le corps sans vie de Jésus à la croix, alors qu'il le dépose dans le tombeau. Et cette vie fait son œuvre pendant tout le samedi saint. Et cette vie est là. Frères et sœurs, le mystère de la résurrection du Christ, c'est d'abord le mystère d'un homme qui s'est levé dans le tombeau, mais c'est aussi le mystère de cette transmission de vie de lui à nous. Est-ce que vous savez que comme Jean, nous avons en nous le Christ vivant? Saint Paul le dira d'une manière merveilleuse. Il dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui est vivant en moi. La résurrection, c'est la vie du Christ en moi déjà à l'œuvre. Cette vie du Christ qui est passée dans mon esprit, c'est-à-dire au plus intime de mon âme, et qui va se communiquer à tout mon être, et qui, lors du retour du Christ dans la gloire, eh bien, revivifiera tout mon être, mon âme, mon corps, et même tout le cosmos autour de moi. Frères et sœurs, Jean vit et il crut. Il crut que le Christ était vivant, parce qu'il était déjà vivant en lui, qu'il était vivant par la foi, qu'il était vivant par l'Esprit qui lui avait été transmis à la croix. Frères et sœurs, nous sommes vivants de la vie du Christ ressuscité. Peut-être que m'entendant, vous dites « Je ne suis pas très vivant en ce moment parce que je suis confiné, ça fait trop longtemps, et ça va durer encore de longues semaines. Ça fait plusieurs jours que je n'ai vu personne. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas pu voir telle personne qui est à l'hôpital. Peut-être que vous êtes marqué par le deuil, par la maladie. Peut-être que vous êtes inquiet pour votre avenir. Mais je vous l'annonce, la vie du Christ, plus forte que la mort, plus forte que toute maladie, plus forte que tout échec, est en vous. Croyez-le. Et tout à l'heure, dans quelques minutes, restez dans votre chambre et pensez à votre cœur qui est comme ce tombeau ouvert, d'où jaillit la vie du Christ ressuscité. Il habite votre cœur pour toujours, et il attend que vous veniez le visiter dans votre cœur, comme Jean, comme Pierre, comme Marie-Madeleine et comme beaucoup d'autres l'ont visité et ont été revivifiés dans tout leur être. Frères et sœurs, il est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité.
nos prières pour nous-mêmes, pour le monde et pour l'Église.
réunions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Seigneur. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour tous ceux que tu fais renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Pour les siens.
Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui porte et enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Soit avec vous et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.